Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo retour de course et c'est la première de l'année 2022. Donc bah écoutez, on va commencer, on était faire nos courses chez Aldi et on a trouvé des petites choses, mais je dois vous avouer que le premier lundi, quand vous allez faire vos courses après jour de l'an où tout est fermé, etc., le rayon était quand même bien vide. Voilà. Je vais commencer comme d'habitude par tout ce qui est non alimentaire et voilà ce que j'ai trouvé chez Aldi. Les petites bonbonnières Luminarc. Alors il n'y avait pas de prix au début, on s'est dit combien est-ce que ça coûte. Donc j'en ai deux à l'intérieur. Les voici. Hop, les petites bonbonnières Luminarc. Donc voilà, j'en ai deux et je suis très contente. Elles sont belles, hein? Ouais. Un chaton. Pour le prix, oui. Hein, ça va, hein, franchement. Très contente de les avoir trouvées là-bas. Non alimentaire, on a trouvé également des thés de traversin. Donc j'en ai pris 3. Donc j'ai pris quoi comme couleur? J'ai pris beige, j'ai pris gris et j'ai pris une blanche. Donc voilà, hop, 3 thés de traversin. Et c'est tout ce qu'on a pris en non alimentaire. On va continuer avec, j'allais dire boisson, on va dire bouteille. J'ai repris une petite bouteille de chardonnay. Voilà. Et nous avons pris également une bouteille d'huile. Alors on a pris celle-ci. On ne prend jamais celle-là, mais il ne restait plus que ça d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on a pris, c'est une huile 4 huiles. Hein. Voilà, c'est un mélange de 4 huiles végétales. Hein. Voilà, pour cuisson et assaisonnement, il y a 40% d'huile de colza, 41% de tournesol, 6% d'huile de lin et huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, 4%, et vitamine D. Bon, voilà. Je ne sais pas si elle sera meilleure que les autres. Amoureux, tu me diras ça. Ouais. Je vais passer à tout ce qui va être du frais et donc tout ce qui est viande, charcuterie. Donc, nous avons pris... Alors, pareil, le rayon viande était vide. J'ai eu la chance de trouver 2 entrecôtes. Voilà. Hop, qui était en date courte à moins 30. Hop, dans le panier direct. Oui, chaton. Et pourtant, on y était le matin. Ouais, on y était le matin. On est parti de la maison. Il était 10h. Un peu plus de 10h. Et ouais, il n'y avait déjà plus rien. Mais c'est ça, en fin de compte, vu que c'était fermé pendant 2 jours. Donc, les gens n'ont pas pu aller faire leur... faire leur course. Et du coup, il y avait quand même des allées vides et du monde. Nous avons pris des lardons nature. Voilà, hop, 2 paquets. Pour monsieur des knackis. Et on a pris, hop, 3 paquets de knackis. Il faut dire aussi qu'on n'a pas été faire les courses la semaine dernière. C'est ça, hein? Ouais. La semaine dernière, on n'a pas été en course. Juste pour les chats. Ouais, pour les chats, on a pris 2-3 petites choses. Mais sinon, pour nous, rien du tout. Du jambon, du label rouge. Sans couenne, moins 30%. Et là, vous avez 4 tranches. Voilà, une date courte également. J'ai pris aussi, hop, de la mortadelle. Là, il y en a 125 grammes. Et normalement, charcuterie, etc., c'est tout bon. On a pris un petit truc tout préparé. Je vous montre ça. Hop. C'est les bûchettes au fromage. Donc voilà, qui sont bonnes jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il y en a 4 à l'intérieur. Ça doit être fromage béchamel, je pense. Donc je pense qu'on fera ça ce soir. Avec il y en a 3 pour moi, une pour toi. Voilà. Bien. Avec une petite salade. Hein, c'est bien de doux. Si tu le dis. Bon. Ben je le dis. Nous passons au fromage. Parce que imaginez, 10 jours sans course. L'homme était très malheureux. Donc on a refait le plein de fromage. Donc nous avons pris fromage à raclette.
Donc là, c'est deux portions, 400 grammes, donc il y a 800 grammes. Il y a 800 grammes avec ça, on a pris le nature, voilà. De la mozzarella, ça c'est plus pour moi. J'ai pris deux boules de mozza. Du comté, donc là il y a 350 grammes de comté. Alors c'est rare qu'ils en font, ils en font pas souvent, mais là on en a trouvé du maroilles et le prix était très intéressant par rapport à Inter. À Inter on prend itinéraire des saveurs et tu m'amoureux tu me disais que ça coûtait plus de 2 euros, hein, 2 euros et quelques, ouais, presque 3 euros le quart de maroilles. Ouais. Hein. Ouais. Voilà, donc du coup on en a pris deux. De l'époisse. Je dirais pas, ah non, je pense que j'allais dire qu'il est en promo, mais non, il n'était pas en promo. Et oui, époisse au mar de Bourgogne. On a pris des petits cheddar aussi, 250 grammes à l'intérieur. Et le gros fromage. Voilà, vous puissiez voir un peu la grosseur du fromage. Ah, tartiflette. Il y a combien de grammes là-dedans? Oh, trop peu, trop peu. C'est marqué quoi? 1 kilo, il y a 1 kilo chaton là. 1 kilo de fromage à tartiflette. Donc comme je disais, 10 jours sans course. Voilà, on en a pour jusqu'à combien de temps chaton avec ça? 2 jours. Heureusement que non. Après nous avons pris également, hop, côté un peu crèmerie, 2 pots de crème. Puisque nous avons des fromages. Ah bah, t'as de quoi te faire une tarte au fromage là? Bah oui. C'est tout ce que j'avais dedans. Pâte brisée, parce qu'il n'y avait plus de pâte feuilletée. Donc du coup on a repris une pâte brisée. Hein. Du riz basmati, alors j'en ai déjà. Oui. J'en ai déjà. Mais j'aime tellement le riz que bah voilà. Ouais, avec moi ça part quand même très très vite, ouais. Je suis une fan de riz. Voilà. J'aime le riz, j'aime le riz. Tout ce qui va être conserve. Alors conserve, nous avons pris des olives farcies parce que vous savez que je suis une amoureuse des olives farcies au poivron. Voilà. J'ai repris un petit mélange de champignons. Alors j'en ai déjà acheté donc il y a une quinzaine de jours et j'ai fait un risotto avec. Franchement, je me suis régalée avec mon risotto. Ouais. J'avais pas mis de vin blanc parce que j'en avais plus. Mais effectivement, il était très très bon. Donc voilà, un petit mélange de champignons. À l'intérieur, il y a des champignons de Paris, des foliottes, des pleurotes et des shiitake. Excusez-moi. Voilà. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Non, c'est marqué shiitake. Voilà, ça doit être un. Asiatique. Un champignon asiatique. Ben voilà. Donc du coup, nous avons repris ceci. Il y en a 185 grammes en poids net et égoutté. De sauce panzani. Parce que, comme vous le savez, la bolognaise, m'amoureux, il aime énormément celle-là. Enfin, énormément. Calmons-nous. En tout cas, c'est celle qu'il préfère. Voilà. On peut dire de conneries. Si je mange des pâtes, c'est ce que je mets dedans ou du riz. Alors, j'ai pris des pains. M'amoureux a pris pour moi des quenelles de veau. Il me restait des quenelles de brochet, oui. Mais plus de quenelles de veau. Et ça, je trouve que c'est super pratique. Enfin, pour moi, le midi, il a juste à m'ouvrir une boîte. Il me fait du riz basmati et c'est parti. Et ça rime en plus. Je suis trop forte. 1 kg de sucre, sucre numéro 4. Et puis en petite gourmandise, oui les gourmandises, les galettes royales. Alors elles ont changé de packaging, mais au goût c'est les mêmes que d'habitude. Voilà, elles ont juste changé le packaging, hein. L'emballage. Nous avons repris également, hop, ce que m'amoureux aime beaucoup, donc noisettes et amandes. Voilà, on a repris 2 tablettes de chocolat blanc. Et puis j'ai trouvé ça. Je me suis dit, j'espère qu'il m'en manque pas. Non.
ça avait l'air bon. Sur la photo, ça avait l'air bon. Lingot à la pâte de noisette, confiserie fine à la noisette, 125 grammes. C'est une fabrication allemande avec des noisettes de Turquie. Enfin bref, je sais pas si c'est aussi bon que beau. En tout cas, ça m'a donné envie. J'ai regardé ma amoureuse, je lui ai dit, chérie, ça te dit on prend ça? Oh, tu voulais pas trop au début, hein? Non, non, ça m'inspirait pas confiance. Ça l'inspirait pas, et puis je lui ai montré, et... Mais quand t'as vu, quand j'ai vu le chocolat fufu... Tiens, tu veux en goûter un maintenant? Tu nous dis ce que t'en penses? Tiens, Doudou. Allez, moi aussi je goûte. Mais ouais, ça avait l'air très très bon. Du coup, on goûte ça maintenant, mais... Oh, c'est dégueulasse. Non, non, achetez pas. Non, c'est bon. On en aura plus. C'est bon, hein. T'aimes bien? Ça rappelle le rôti sans une molette, quoi. Ouais. Ouais, t'as raison. Ça rappelle les rochers sous Charles. Les sous-charles, les rochers sous Charles à l'intérieur. Qui, pardon, je parle à la bouche pleine. Qui d'ailleurs, on a racheté et je les ai trouvés moins goûtus qu'avant. Alors, est-ce que c'est mon palais qui n'est plus habitué? Moi, j'ai l'impression qu'avant, ça avait vraiment ce goût praliné. Et que maintenant, c'est vachement moins prononcé dans les rochers sous-charles, pardon. C'est bon, mais pas trop en manger. Ça te lève le cœur. Ouais, parce que c'est quand même bien sucré. C'est très bon, mais voilà, faut pas... Ouais. Mais voilà, un comme ça, c'est très bien, je trouve. Ouais. Bon alors, t'as le juge? Tu valides? Je valide, mais comme je t'ai dit, pas souvent. Ok. Pas longtemps. Bon, tu valides, c'est déjà pas mal. Ils seront mangés. Chocolat, c'est toujours mangé. Bref, j'en suis où? Ça j'ai montré, ça j'ai montré, ça j'ai montré. Du pain, donc le pain de mie, comme toujours le pain de mie de chez Aldi. Chabrior, on n'aime pas, pour nous il est pas bon. Le seul qui est plutôt pas mal c'est le Harris. Ouais. Le Harris on l'avait bien aimé, on aime bien celui-là. J'ai acheté du pain pour hamburger. Je me dis, ça peut être sympa. D'où les toasts chez Dar. Oui, du coup c'est pour ça qu'on a pris les toasts chez Dar. Parce que on voulait se faire des petits hamburgers cette semaine. Donc voilà tout ce que nous avons acheté. On va passer à tout ce qui va être fruits et légumes. Donc des petites endives apéritives. Alors je me dis soit ça va être endives apéritives mode salade. Ou alors les endives braisées. C'est comme on a parlé avec papa. Ouais. Ah. Je sens pas trop le... Ouais. C'est quoi les endives au jambon? Ah bah oui, c'est sûr que c'est autre chose. Donc on a repris là. Donc on a... Je sais pas combien il y a de grammes là-dedans en fait. Il y a 6 pièces. Bon voilà, c'est des petites endives, hein, c'est des endives apéritives. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2. J'ai pris des choux de Bruxelles. Voilà. Ce petit potimarron, bah oui, ça sent la soupette, ça. Ouais. Mmh. C'est bon, franchement, c'est trop bon, ça. Avec des petites châtaignes, des petites noix. On va se régaler. On va se régaler. J'ai repris des avocats, donc filet de 3. J'en ai pris du coup 2, comme vous le voyez. Et des petites tomates bio d'origine Espagne. Voilà, il y a 500 grammes je crois. Ouais, 500 grammes. Voilà, voilà mes petites tomates. Et pour finir, hop, des clémentines. Alors moi, clémentine mandarine, j'ai toujours un doute. Je crois que les clémentines... Dites-moi en commentaire si vous savez. Il me semble que les clémentines, en fait... la différence, c'est que la peau, ne colle pas sur la chair. Mais je crois que la mandarine,
La peau colle sur la chair. Oui. Je crois que c'est ça. Oui, oui, la clémentine, c'est du fait toute seule. Et du coup, mandarine, c'est l'alliance d'une orange et d'une clémentine. C'est ça. Non. La mandarine, c'est, ça donne une clémentine. La mandarine et l'orange. La clémentine, c'est ce qui se défait tout seul. D'accord. D'accord. Donc, en fin de compte, c'est la clémentine qui est l'hybride. Qui est l'hybride de l'orange et de la mandarine. D'accord. Bon, ben voilà, je me gourre. Dites-nous en commentaire qui s'est trompé. Bref, donc voilà un petit peu pour. Il y a combien de grammes là-dedans? Enfin, il y a 2 kilos. 1,5 kg. 1,5 kg de mandarine. Donc voilà pour ce retour de course. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vais emmener hop, tout ça et ça va être lavé. Oui, j'ai oublié quelque chose? Il me semble. Quoi? Les lardons. Je t'ai pas entendu parler de lardons. Si, 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 j'ai montré les lardons. Ah, d'accord. Si, si, si. Non, non, j'ai bien travaillé. J'ai bien fait mon travail. Et peut-être que c'est pas vrai et que à la fin de cette vidéo, vous allez voir, elle a oublié ça. Ça a coûté tant. Sinon, c'est que j'ai rien oublié. Donc, je disais que j'allais m'occuper de ça. Quoi. Là, on va les... Tester. Bah, tester, on va les... Les essayer, mais... Les... On va voir la qualité, quoi. Non, pas du tout. Tu vois, tu sais même pas de quoi je veux parler, Doudou. Ouais, on n'est plus fusionnels, hein, tous les deux. Non, je vais aller les laver, je vais les mettre en machine et je vais les essayer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, ou une très bonne nuit. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !